Camarades, peuple d'Afrique, peuple du Mali, très, 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 très bonne nouvelle. Frère, l'armée vient de confirmer officiellement la prise de Kidal. L'armée malienne, ce n'est plus officieuse, hein, ce n'est plus bon qu'on a dit, l'autre a dit, l'armée malienne elle-même dit qu'elle vient de prendre contrôle de la ville de Kidal. La ville de Kidal, chers camarades d'Afrique, ce jour, mardi 14 novembre 2023, l'armée malienne vient de prendre contrôle de la totalité de la ville de Kidal et de la région de Kidal, chers camarades d'Afrique. Les Kodoukou sont allés se cacher dans les grottes. Ils sont allés se cacher, frère. 95% de la population de Kidal avait fui la ville de Kidal. L'armée leur demande de revenir. Chers frères, chers soeurs de Kidal, revenez à la maison, revenez dans vos demeures, revenez regagner vos foyers. L'armée malienne est là pour vous. L'armée malienne est là pour tous les Maliens et tous les Africains vivant, frère, au Mali. Non, aujourd'hui, mardi 14 novembre, est un jour. C'est un grand jour, un jour historique, un jour de la victoire. Frère, non, tous ceux qui ont dit que ce n'était pas possible, tous ceux qui ont sous-estimé l'armée, tous ceux qui ont sous-estimé Assimi Goïta et son équipe, tous ceux qui ont sous-estimé le panafricanisme, tous ceux qui nous ont sous-estimé, voilà ça, qui dans les prix. Même, je vous ai dit, même le combat n'a pas duré 2 heures. Je vous ai dit. D'ailleurs, il n'y a pas eu vrai combat dans la ville de Kidal. Ils ont tous vu. Je l'ai dit depuis longtemps. Il y a eu la prise de Kidal. Il y a eu la bataille de Kidal. Je ne peux pas faire 2 heures. Camarade peu d'Afrique. Je vais lire d'abord le communiqué de l'armée malienne. Après, je vais vous décortiquer comment la prise de Kidal s'est effectuée. Comment la vie de Kidal s'est effectuée, je vous dis. Camarade peu d'Afrique. On écoute ici, Flash Info, Fama. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les Fama ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Ils sont là. Il n'y a pas de mouche. Camarade peu d'Afrique. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. 14 novembre 2023. Je vous ai dit, chers camarades d'Afrique, la France-Afrique, c'est fini, on l'enterre. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, mais il y a certains qui ne croient pas jusqu'à présent. Vous ne voyez pas la victoire? Vous n'avez pas de cerveau? Vous ne réfléchissez pas? Vous ne réfléchissez pas? Quand vous voyez le scénario malien là, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Vous qui ne croyez pas que l'Afrique peut s'en sortir, l'Afrique peut vaincre la France-Afrique. Vous là, ça ne vous dit rien? Vous ne comprenez pas les choses? Regardez les choses. Regardez les choses où la France-Afrique s'est déportée en Afrique pour aller faire coup d'état sur un président qui les génère, pour aller assassiner un président qui les génère. Je pense à Sivali sur le pied, je pense à Thomas Sankara, je pense à Lumumba, je pense à beaucoup d'autres. Hein? Ou Kadhafi, où la France-Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce que la France-Afrique arrive à le faire? Croyez en ce combat. Nous sommes sur la bonne voie. Je vous dis, jusqu'en 2030, la France-Afrique, on l'enterre. Chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, les informations me venaient, mais comme j'étais un peu occupé ici et là, et il y a trop d'infos ces temps-ci. Trop d'infos. Là, même, il faut que j'aille au Congo pour aller faire des infos, pour aller fracasser là-bas aussi. Tu sais ce que disent ces gars, ils les chicotés. Mais tout ça là, ouais, mais donc, il y avait affaire de Sourodium, les affaires de Mené. Mais qu'est-ce qui s'est passé, camarade d'Afrique? Depuis avant-hier, où je vous ai dit que la tête du serpent est ratée dans la vie de Kidal et que ça trame. Frère, non. Toute
la population de Kidal a commencé à fuir. Les gens ont pris leurs enfants, leurs femmes, leurs... Ils sont sortis, ils sont allés se cacher quelque part là-bas, dans les grottes, quelque part loin de Kidal. Il y a ceux qui sont partis en Algérie, il y a ceux qui sont partis vers Mauritanie, mais les gens se sont cachés, ils ont quitté totalement la vie de Kidal. Totalement. Totalement la vie de Kidal chez Kamara en Afrique. Parce que les Waworo, là, ils voulaient se saisir de la population comme bouclier. Mais la population a compris. Et la population est sortie pour aller se cacher quelque part là-bas. C'est ça qui a facilité aussi la prise de Kidal au Fama. Parce qu'ils savent, les Kotougou savent que s'ils restent là, il n'y a pas de population. Ils vont prendre qui comme bouclier. Les Fama vont très rapidement les écraser. Donc beaucoup ont fui. Les chefs, là, il y a longtemps, ils ont fui. Maintenant, chers camarades, les Fama progressaient. Progresser. Sur quelle ligne? Sur la ligne que les Kodougou, la MINUSMA, les soldats tchadiens de la MINUSMA qui étaient à Kidal, parce qu'ils voulaient partir en avion. L'armée leur a dit, vous ne partez pas en avion, vous partez par la voie terrestre. Personne ne monte en l'air, tout le monde par la voie terrestre jusqu'à Gao. Donc, comme c'est eux, la MINUSMA, en complicité avec les Terotero, qui avaient miné toutes les voies devant la population, devant l'armée malienne et leurs amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'armée les oblige à prendre la route jusqu'à Gao. Donc, quand ils prennent la route là, la piste qu'ils prennent, ils sont surveillés par les drones. Et les drones tentent de repérer cette piste. Et les coordonnées GPS de cette piste sont données automatiquement aux Fama. Donc, en partant, ils vont pas passer par les mines qu'eux-mêmes ont placées. Ils vont pas aller se faire prendre par leur propre piège. Donc, ils contournent les mines. Et donc, les drones surveillent. Les coordonnées GPS sont envoyées, les vidéos sont envoyées. Donc, les Fama étudient cette même piste et les Fama utilisent la même piste pour avancer. Donc, ce qui est avec eux, les gens, ils ont fait des tranchées, mais en réalité, où ils attendaient les Fama se voient réellement passer par là. Les Fama ont contourné. Maintenant, arrivés à 15 km de Kidal, comme déjà la ministre, les gens sont partis, ils ont compris que c'est la piste là, la piste que les gens de la MINUSMA ont emprunté pour sortir, que les Fama sont en train d'emprunter. Arrivés à 15 km de Kidal, ils ont miné tout le coin. Donc les Fama, comme ils ont des véhicules de détecteur de mines, ils ont des appareils de détecteur de mines à distance. Ils détectent les mines à distance. Il y a des véhicules qui détectent les mines à distance. Camarades pays d'Afrique. Donc arrivés à 15 km de Kidal, et ils ont divisé le groupe en trois. Il y a un groupe qui est passé comme ça. Un autre est passé comme ça. Un autre a pris la direction. Frère, non, ils ont parlé quelque chose. Quand ils s'attaquent au groupe qui vient tout droit, les autres, et ils les frappent. C'est-à-dire que celui qui vient tout droit, il ne faut pas le comprendre. Ceux qui sont là, et puis les troupes aéroportées les frappent. Camarades pays d'Afrique, les Fama ont contourné la ville. Et celle qui était au milieu rentre, avance. C'est qu'elle les provoque. Pendant qu'ils sont en train de s'acharner à celui qui. Le groupe qui va tout droit, eh bien, les autres là, les prennent par derrière. Mais ce n'était pas bon, chers camarades. C'est pas bon. Ceux qui ont compris que leur défaite était inéluctable, était irréversible, eux, ils ont fui. Ils sont partis dans les grottes. Donc, les Fama ont. Les foyers de résistance qu'il y avait là, les escarmouches ont été très rapidement déblayés. Très rapidement, les Fama ont encerclé la ville de Kidal et ils sont rentrés dans la ville de Kidal. Mais ils étaient bien dans la ville de Kidal depuis le démarrage de ce convoi, de ce nouveau convoi-là. C'était déjà là. Je vous disais, non, je vous ai dit que tout ce qui se passait, même quand une feuille quitte en haut pour tomber à Kidal, à Simigota au courant, je vous ai dit ça. Parce qu'on avait déjà miné le terrain. On avait déjà les services de renseignement qui étaient là. Tout était là. Hier, il y a une vidéo comme on voyait. Il salue d'ailleurs Shogi. C'est ça, non? Shogi.
Ag, Shoghi Ag, je le salue pour son service de renseignement implacable. À Kidal, on a des gars qui ont filmé la vie de Kidal. Pour voir que la population, il n'y a personne qui nous a envoyé la vidéo. Frère, non, Barabana, Barabana. Je salue Assimi Goïta, je salue Sadio Kamara, je salue Shugan Maïga, je salue Abla Diop, je salue toute l'équipe gouvernementale d'Assimi Goïta. Je salue le peuple du Mali, je le salue pour sa résilience. On coupe courant sur eux. Non, on coupe courant sur eux. Il dit, tu coupes courant, puis quoi? Nous, on est déjà Assimi. On les a affamés. Il dit, si on ne mange pas, on ne va pas mourir. Si on mange une fois, on ne va pas mourir. Ils ont suivi Assimi Goïta. On leur a tout fait. Tout. On les intoxique. L'esprit, le cerveau. Le peuple malien est gamé. Bravo à toi, peuple du Mali. Bravo à toi, peuple du Mali. Bravo à toi. Je salue ma maman chérie. Tanti Rama. Tanti Rama et le M5RFP. À travers elle, je salue M5RFP. Frère, je sais qu'il y a des gens qui aiment le Mali. Mais quelqu'un qui peut aimer le Mali plus que Tanti Rama, je ne l'ai jamais vu. La vieille là, elle a 80, elle a environ 80 ans. Plus de 80 ans. Mais dans toutes les manifestations, elle est là. Elle-même, c'est elle-même qui est au devant des manifestations. Elle marche avec nous de République jusqu'à Château Rouge. Elle marche avec nous de République jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à Port de Clichy là-bas. Tanti Rama. Vraiment, Tanti, je te salue pour ta bravoure. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné la victoire. Je salue les patriotes du Mali à travers eux, le docteur Issa, depuis Kaï. Je salue Damis, je salue tous les camarades avec qui on a lutté ici en France. Tout le monde. Frère, et je salue nos camarades cyberactivistes. Si je dis, je vais les citer, j'ai oublié beaucoup. Je salue eux tous. Mais le combat continue. Hein. Le combat continue. Je salue eux tous. Voilà, je salue eux tous. Je salue l'ensemble des panafricanistes. L'ensemble des panafricanistes qui sont levés. Hein? Le PDT, les panafricanistes de terrain. Groupe auquel je fais partie. Vraiment, je vous salue. Je salue tout le monde. Et enfin, je salue les braves Fama. Les braves Fama. Ah, Ali Tché, Ali Baradji, l'armée malienne, Ali Tché, Ali Baradji. Non, Ali Sebaboula Mara, Ali Tché. Je salue le grand Poutine et ses gars à travers toute la Russie et le peuple russe et nos insurgés qui sont avec nous depuis le Mali. Je vous salue. Et enfin, chers camarades, si j'ai oublié des gens, avec mes sujets, je voudrais saluer l'alliance du Litako Gourmand. À travers cette alliance, le capitaine Ibrahim Traoré, le Jean Tiani, et enfin, le bérébéré des bérébérés, Assimi Goïta, Assimi Initié, Ini Baradji, Ini Bara, Initié. Merci beaucoup. Je salue tout le peuple africain. Mais le combat continue. Même si on a fini de prendre Kidal, il faut qu'on essaie de ratisser totalement sous terre. Parce qu'ils vont tenter de faire des attentats ciblés, extra. Ça arrive. Ils vont essayer de faire. Mais avec le système de renseignement qui sera mis en place, il n'y a pas de drap. Frère, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, mais je salue tout le monde. Et après, en dernière position, je salue mon papa, Oudou Laurent Gbagbo, qui a montré sa position claire, qui a dit soutenir le peuple malien. Voilà, je salue mon père, Opa Oudou Laurent Gbagbo. Voilà, pendant que Alassane Ouattara travaillait à mettre à genoux le peuple du Mali, il s'est levé, il a dit non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord de ce que la CEDEAO fait. Il a dénoncé la CEDEAO.
Il a même dit qu'il faut remplacer la CDAO. Il salue mon père Koudou Laurent Gbagbo. Ou pas, Initié, Inibradji. Ayo, ayo. Camarades pays d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. Merci les gars.